Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On se retrouve à XMR, ici à Perpignan. Et on va aujourd'hui découvrir la fin de la ligne. Ils sont en train d'attaquer donc les soudures de l'échappement. Et après on découvrira le résultat final. J'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Donc là on a Antoine qui est déjà en train de charbonner. Notre cher ami Lucas, c'est lui l'artiste. Et regarde la ligne d'échappement. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Toujours travailler avec les lunettes de protection. Évidemment. Voilà, les OPI. Ça va mon loulou? Ça va. Là on commence à avoir chaud. Ça va déclarer la guerre ou quoi tu crois? Ah là, vu le diamètre et le diamètre des sorties. Ouais. Voilà, c'est vrai. Tu rentres dans le tube, tu rentres dans les sorties, tu rentres. C'est vrai que là pour le coup on peut le dire que. Mettre un chat qui se balade dans la vie. Le diamètre des sorties, regarde ma main. Voilà. Il y a quoi là? C'est du 101, 110? Il y a plus gros que ça. Tu veux voir du 110 mm, du 101 mm? Ça c'est quoi en diamètre? Là c'est du 127. Ah on a plus et que ça. Et ça c'est ce qu'on met sur du A5 3 litres TDI, Golf GTI. Ça c'est etc. du 125. 101. On a quoi, 140? T'as 127 là. 127. Et après on a une ligne, c'est un tube. Hein. Je crois qu'on peut pas faire plus extrême en termes de tuning. Là t'es en 89 jusqu'à là et là. 89 ici. Là, du début jusqu'à là. On passe en 76. 76 là. Là 76. Est-ce que tu penses que niveau bruit, on va avoir une réelle différence malgré la surprise qu'on a eue hier que la ligne était vidée? Non, je pense que là les gaz ils vont assez. Il doit assez tourbillonner à l'intérieur pour faire du bruit. Hein. Non. Ça devrait chanter bien. Déjà la résonance de l'inox par rapport à la ligne en fer, c'est pas du tout pareil. Ouais. Mais là le diamètre, c'est simple, on a 2 cm de plus. Hein. Ouais, c'est énorme. En diamètre sur toute la longueur. Et là-bas, on est à 8 mm. On fait 69 la ligne. Ouais, on est à 7 mm de plus. Juste en sortie. Donc, et on sort, on rentre dans la sortie en 76. On rentre en 63. D'accord. Déjà. Donc forcément, ça va chanter plus. Déjà, là, le silencieux est en 76, alors que le silencieux d'origine est en 63. Donc, déjà. Et en vitesse régulée, ça va être en mode. Je vais avoir des acouphènes. Faudra peut-être prévoir les. Faudra peut-être prévoir les vitesses. Hein. Ah ouais? Peut-être. Hein. Bon, après, t'as les katas, mais bon. Là c'est du lourd. Hein. Là tu fais une ligne comme ça avec les Decata, tu roules plus. Ouais. Ouais ou alors tu roules dans Monaco, tu fais 2 km. Quoi. Mais il va encore même pas, je finis la fourrière à Monaco. Ah hein. Ouais voilà. Ah ouais non là, là une ligne comme ça, sans vibe, sans rien, avec un Decata, ça ah sert ouais. à rien. Je le fais même pas. Ouais. Je veux même pas qu'il y ait une vive ça, c'est débile. Le mec après il va me rappeler, il va me dire voiture c'est un roulable, c'est machin, il va dire que c'est moi encore. Non, mais là ça va être roulable ou est-ce que ça va être vraiment horrible? Non, ça va être plus que ce que tu avais là, mais roulable. D'accord. Ah oui, non. J'ai hâte. C'est les katas, tu sais, qui arrêtent tout pratiquement sur ces voitures-là. Ah, complètement. On l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, effectivement, quand on a retiré la ligne d'échappement et qu'on a démarré la caisse, on avait l'impression que le bruit n'avait pas changé. Ah, il n'a pas changé. Une vraie arme de guerre. Avec un diamètre de fou, Romain est dans une réflexion très profonde. J'ai chaud. Romain, en plus Romain. Romain. Séquestré. Il nous insulte à longueur de journée.
Je ne sais pas ce que j'ai sur ce vlog avec les prénoms, mais je fais que de me tromper de prénom. Je suis pas réveillé. Bon. Autant te dire que là, j'arrive à un stade où je ne tiens plus en place. Je tourne en rond dans tous les sens puisque la ligne est quasiment... Je crois qu'on peut le dire. Lucas, elle est finie. Et on a même le droit à l'autographe des chefs. Wow. Oui. By Well Prod. C'est la dernière étape. Enfin même l'avant-dernière, puisque là c'est la partie finition. Après, on va placer la ligne et fixer les supports. Parce qu'il y a 4 supports qui sont à fixer. Et puis je crois qu'on est bon après, hein. On va bientôt l'entendre chanter cette merguez. Ah, d'ici une petite heure maximum. Bon. Hop. Non mais il est ouf lui. mais nique ta race. Bon, il a niqué la prise, il arrive en mode ferme ta gueule. Non mais allô quoi. Bon, je vous mettrai sur Instagram, allez lui mettre un hashtag ferme ta gueule. La concentration est à son maximum. Oh là là, ça va, tu peux la filmer. Tu peux la filmer parce que c'est pas particulier. C'est du travail de qualité. Mais en fait, c'est... Voilà. À l'envers. Voilà. Merde, tu l'as mis à l'envers, Romain. Non, ce n'est pas à l'envers, c'est la ligne d'échappement qui est à l'envers. Ça y est, la tension est à son comble. La voiture est enfin terminée. Du coup, on va découvrir maintenant la sonorité de la nouvelle ligne que Well Prod m'a fait. Ok. Du coup, la caisse arrive, je remets mes petites lunettes. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, ce petit full tube. Déjà, rien que le démarrage à froid, c'est validé. Alors ? C'est pas pareil. Ah, ça a rien à voir. Lucas a fait un travail exceptionnel en seulement 2 jours. Ah ouais. Plein. Ah ouais, toujours plein. Deux jours, ils ont pas chômé. Et vraiment le rendu, déjà esthétiquement, il est magnifique. Les sorties d'échappement en plus de 120, c'est vraiment la guerre. Mais par contre, elle sonne beaucoup plus rauque, elle est beaucoup plus ronde maintenant. Ah là, tu vas voir, et je pense que quand on va rouler... Ah, j'étais à 2500 tours là. T'étais qu'à 2005. Ouais. Donc je pense on va pas pouvoir rouler trop parce qu'elle est encore froide, mais on va rouler tout à l'heure, je te montrerai le résultat pour voir ce que ça donne, mais à mon avis ça va vraiment être la guerre. Est-ce que t'es satisfait du résultat? Pour le moment il n'y a aucun souci, tout... ça tourne comme sur des roulettes. Ça fait un très beau bruit par contre, hein, vraiment. Non, franchement là, le diamètre ça fait tout. Ouais. 2 cm de plus sur le diamètre, la résonance de l'inox, les sorties encore plus grosses et plus fines. Ouais. Non, franchement c'est bien. C'est bien. Bon, on va la laisser monter en température et puis on va voir un peu plus ce que ça donne après. Bon, on est en train de faire la première session de roulage. Et ça va, ça reste... franchement, c'est bien, hein. C'est pas... je m'attendais à que ça bourdonne de ouf, mais en fait non. Franchement, frérot, t'as fait un super taf sur la caisse. La sonorité est vraiment, franchement, elle est vraiment beaucoup plus jolie. Ah ouais, c'est clair. Regarde. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'entend en fait. On peut continuer à discuter ensemble. Même en vitesse cruisée à 130, c'est pas assaillant alors qu'on est vraiment sur un full tube. Et par contre, vraiment, on a gagné
sur la sonorité, on a gagné un côté beaucoup plus rauque. Ah ouais, ouais. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, je vais te faire une petite accel. Regarde. Ah, c'est la guerre. Je suis très, très, très content. Vraiment, je suis un client satisfait. Du coup, les amis, je vous mets le lien Instagram de Wellprod. Je vous invite à contacter Lucas. Voilà, avec plaisir. Franchement, je vous le recommande avec vraiment conviction parce qu'ils ont fait un taf de malade. Et regarde, si je me cale à 3000. Oh là 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 là, là l'engin de guerre. Ah, je suis content. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette nouvelle ligne d'échappement maison fabriquée par Lucas. Et Antoine, voilà, hein, on va pas citer Romain parce qu'il a rien foutu. Il y a toujours un truc que j'adore et je voulais te le partager dans le reste de la vidéo. C'est que tu vois, on a fait la nouvelle ligne d'échappement ici chez Wellprod à Perpignan. Mais on pouvait pas s'empêcher de finir avec un petit rassemblement. Je vais te montrer un peu les voitures. Il y a du monde. Salut les gars. Ah mais il est tranquille. Et tu vois, ça fait plaisir parce qu'il y a grave du monde. Bien. Bon, celle-là tu la connais. Les petites soupes, Golf GTI Cup Sport. Il y a pas mal de belles voitures. Bon, il y a du monde qui est un peu parti. Mais en fait, ils ont eu tort de partir parce que là, on vient de faire passer au banc une Audi TT. Je sais pas si c'est une RS qui fait apparemment 800 chevaux. Je te mets la story. Désolé, j'ai pas eu le temps de filmer. J'avais pas la caméra sur la main. Mais juste regarde le passage au banc. C'est un truc de ouf. Il y a un truc qui n'était pas prévu pour le coup. On se retrouve avec le voisin de Laurent. Et ton prénom c'est Laurent. Comment Laurent, bah avec voilà. Laurent en fait. Et en fait, j'avais aperçu quelques petites pépites cachées derrière. Et bah regarde. Fouah. Ouais, vas-y, une Galaxy Ford. Waouh. Qui est en train d'être restaurée. Ça, c'est ghetto. Avec la magnifique. Oh là là, c'est beau. Alors, on a une jolie pépite. Alors là, tu sais quoi, juste kiff. Voilà ce qu'il faut voir. C'est ça. Mais non, l'ouverture de porte. Ah, ça sent l'ancien. Mais ça vaut une fortune une caisse comme ça. Très cher. Je n'aurais pas d'estimation. Ouh oui. Bon, la Delahaye, je connais pas la valeur. Donc si tu veux nous le mettre en commentaire, tu peux nous le mettre pour le coup. Mais là, en même temps, j'étais pas prêt. C4 WRC. Qui est en train de se terminer. Et c'est quoi, c'est un délire que tu de jeunesse, t'avais envie d'avoir la réplique. Bah oui. Hein, la Red Bull. Eh oui. Ce qui va l'être, hein. Elle va être stickée et tout. Là il y a du taf, hein. Pouah. Je vais fabriquer de A à Z. Ah ouais. Ah, j'ai toutes les vidéos, les photos. Incroyable. Je te les enverrai si tu veux. Avec grand plaisir. Et même quand elle est finie, tu m'appelles, je serai honoré de la filmer. Il est presque fini là. D'accord. Voilà, quand même. Je me suis fait mal. Ah, c'est beau. Citroën C4, hein, voilà. Oui, mais Citroën C4, réplique de notre Lobe. Pilote, hein, hein, monsieur Lobe. 4 fois champion. 4 fois champion du monde, exactement, de WRC. Voiture qui a été primée à plusieurs reprises. Donc là, tu fais. C'est toi qui conçois le kit carrosserie, tout quoi. Je l'achète. Tu l'achètes, ok. Je monte tout. Ok. Oh, le travail de malade que ça doit être.
Elle aura une prépa moteur comme une vraie voiture de rallye. Elle sera 260-280. Voilà. Incroyable. Fiable. Incroyable. Alors là, j'étais vraiment juste pas prêt. Du coup, je vais mettre cette vidéo dans le bonus de cette journée absolument incroyable. Merci à toi, Laurent. Eh ben, écoute, à bientôt. Avec grand plaisir. Quand elle sera finie. Eh ben, quand elle sera finie, je ne sais pas quand. On se donne rendez-vous. Un mois et demi, tour de roue. La famille, en septembre. À la fin des vacances, ça nous laissera suffisamment de temps. On se fait une vidéo tous les deux. Circuit. Ah, je viens, je viens. Rivière, et ben voilà. On sera en local ici à Perpignan. Donc voilà. Avec grand plaisir. Je veux bien me faire brutaliser dans une caisse comme ça. C'est quoi, regarde, j'ai la chair d'ampoule. C'est magnifique le travail que tu es en train de faire dessus. Hein. C'est des heures, des nuits, des jours, des... C'est incroyable. La famille, on va terminer cet épisode ici. C'était un bonus de la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore à tous. N'hésitez pas à vous abonner, petit commentaire. Et je languis le mois de septembre de venir me faire violer dans cette C4 WRC réplique de Monsieur Lob. Merci encore et on se retrouve à dimanche prochain. Ciao.